Ok. On va pouvoir aller récupérer la matériel d'abord. Ils sont devant le laboratoire numéro 3, c'est bien ça. Alors c'est quoi comme matériel? 4 interrupteurs. Chronomancie, ok. Un par laboratoire, peut-être. Oh putain. Bah 3 logiquement. Après j'ai envie d'ouvrir les autres aussi maintenant. J'ai envie de tout ouvrir là pour tout défoncer. Mais attends, on va d'abord parler aux filles. Je pense que ça c'est pour changer l'équipe. Ah oui là. On peut changer l'équipe quand on veut avec ça, ok. Bon, on va sauvegarder un coup. On va sauvegarder un petit coup. Alors, voyons voir ça. Bon, on va commencer par le. On va commencer par le 1 pour la curiosité, voir ce qui se passe. Ah le 1 on peut pas. Ok, le 2 il se passe quoi? Ah! Ça a fait quoi? Transfusion réussie. Transfusion réussie. Début de l'expérience dans la zone concernée. Ok. Bon. Ça a ouvert la porte 2. Ah, je peux en ouvrir qu'une à la fois, ok. Transfusion réussie. Transfusion réussie. Début de l'expérience dans la zone concernée. On devrait les appeler. Et leur recommander d'être très prudentes. Ok, de toute façon, je peux ouvrir que celui-ci, d'accord. Ça sent quand même les trucs optionnels. Le chat, s'il vous plaît, je veux bien savoir pour la question. En fait, là, c'est genre le truc. Si j'étais solo, j'aurais été voir sur le net. Est-ce que, genre, si je fais le 3 maintenant, je pourrais plus refaire ce qu'il y a derrière le 2 et le 4? Ou je pourrais quand même le faire après? Juste pour savoir. Parce que ça sent peut-être des fights bonus à pouvoir faire. C'est comme ça que je le comprends en tout cas. Si vous n'avez pas la réponse, ça pas de souci, je vais voir sur le net. Pour ma part. Tu pourrais le faire après. Ok, impeccable, merci. Tifa, tu m'entends? On a activé le terminal central. C'est, c'est pas du bonus, c'est l'histoire. Ah, ok. Donc dans tous les cas, faudra les faire. Ça roule. Le labo doit être rempli des créatures de haute chose. Merci. On va voir et on revient. Alors, on va voir ce qu'elles peuvent faire les filles. Ah, j'ai confiance. Hein. Tifa, Iris, c'est une belle équipe. Hein. C'est de la belle équipe. Ça a ouvert une porte. Ah, salut. Ah ouais, un méga foot direct comme ça. C'est un monstre de toute façon, Iris. Là, la team des deux filles, en vrai, elles vont être très très fortes. Hein. Ah bon? Pourquoi, Corben? C'est quoi? Je sais pas qui c'est Nomura, je connais Yoshida. Ah si, attends. Non, Nomura, ça me dit un truc. Non, j'ai un doute. Il y a un... Attends. Ça me dit un truc d'un coup... Attends, Nomura. C'est pas Tachiro. Pas genre le créateur, je sais pas quoi. Nomura. Tetsuya! Tetsuya Nomura, blablabla, il a fait quoi de beau? Il est connu pour le principal créateur des personnages de plusieurs épisodes principaux de la série, ok. Dont Final Fantasy et Kingdom Hearts, ok. Tetsuya Nomura. Il a dû voir son nom quelque part. Alors là, pour le coup, j'y connais rien du tout à Kingdom Hearts. Je n'ai aucune connaissance concernant Kingdom Hearts. À part qu'on peut affronter Sephiroth avec Kuto et Lingo. Et Mickey. Oh des bibous. Mais non, on va pas faire du mal aux bibous. Petite bébête. On peut pas les libérer?
suis sûr que tu as les gentils bibous au fond. C'est juste Ojo qui fait n'importe quoi avec eux. Tous les bibous sont gentils initialement. Ah, belle arène de combat. Ouais, bah, c'est... Oh là là, Tifa le monstre. Tifa, je vous jure, c'est un démon. Ah mais j'avais pas eu mes points de vie. Alors, je vais pouvoir tester un truc en plus, prière. Essayons d'en finir. Ah, ça rend pas beaucoup plus qu'avec Barrett, hein. Bon, à savoir, ça. Alors, sort, qu'est-ce qu'elle a de beau? Qu'est-ce qu'elle a de beau? Qu'est-ce qu'elle a de beau? Je crois qu'ils aiment pas la glace, eux, hein. Merde. Désolé, j'ai pas le choix. Bon, elles prennent forcément un peu plus de dégâts, mais il y a Tifa en monstre et Eris en support. Et au pire, Eris peut faire de la magie. Bon, on est pas mal quoi qu'il arrive. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir derrière le labo 3? Ah, j'ai bien fait de regarder à gauche, comme d'hab. Toujours des trucs planqués. 5000 guilds. Oh, ça doit être, on va dire que c'est la fortune d'Ojo. Oula. C'est quoi ce truc? Attendez. Salut! Zenen. Je sais pas si j'ai un analysé là, attendez. Compétence. J'ai rien pour l'analyser. Merde. Le familier, blabla, c'est ça. Allez, tire à volonté. On va lui faire mal. Hein. On met le petit saut sacré au sol. Utilisons la magie. Voilà. Oui, regardez, vous êtes pas. Ah. Lâche Aerys, sale bête. Et maintenant Aerys. Vous allez voir, elle va le one shot. Sort. Allez, un petit méga feu. Allez, un double méga feu gratuit. Là. Ça va toi? C'est fini. Et encore, visiblement, il était résistant au feu. Ça s'arrête. Et il était résistant au feu, le bordel. Hein. Tellement bien qu'elle a un deuxième sort gratuit. Oh, une petite cage. Putain, de choper ici, putain, c'est sombre. Rien du tout, désolé, hein, ça tourne un peu. N'ayez pas le vol du tout. Regarde, elles sont par en haut. On a un bibou en bas. Deux bibous. Oh putain. C'était un peu énervé quand même, faire attention. Non mais. Comme par hasard, il y a une salle immense, deux grosses bébêtes, 100% l'ont tué, parce qu'elle s'est la gueule. À quel moment le tuyau il se casse pas la gueule? Oh.
Quand même. What a surprise. Ils ont l'air énervés. On n'a pas le choix. Jared. Oh non. Jared. Elle pète, c'est ça. Faut qu'on se rapproche. Allez, Aerys, t'es trop. Et voilà. T'inquiète pas, je suis là. Hein? Quoi? Putain. Val. Tout dans les sorts. Non. Je peux te laisser faire. J'ai pas eu le temps de la... What? Salut bûcheron. Je sais pas pourquoi ils sont tombés les deux d'un coup. Oh yo yo. Pas facile, parce qu'avec leur stun au sol, c'est un peu relou. Ok, le combat est un peu tendu. Il faut vraiment que j'en burst un en 2-2. Faut que j'arrive à en burst un hardcore et ça passera mieux. Elle balance toujours les trucs de magie, bûcheron. Enfin, celle d'attaque à distance, ça pourrait être d'autres bâtons, mais. Il n'y a pas un bâton spécial. Enfin, je comprends pas, bûcheron. Enfin, je comprends pas trop ta question. Il y a plein de barres différentes, comme pour tous les persos. Allez. Oh là là. Fuck. C'est quoi ça? On va essayer. Non, putain, elle s'est fait interrupte. Chut. C'est pas possible. Oh, oh la vache. Connerie. Elle va mourir. Tu peux me remplacer un petit peu? Délire. Délire les dégâts. Se font full interrupteur, c'est insupportable. Je pense que je tiendrai le fight est vraiment infâme à cause de ça. On va crever. J'avais encore des choses à faire ici. Le problème c'est que je comprends pas la question avec ça, bûcheron. En plus comme date oublié les mots. C'est à bâton. C'est quoi ta vraie question, bûcheron? Dis-moi. Est-ce que Aerys, elle utilise un bâton? Oui, c'est tout ce que je peux te dire. Est-ce qu'elle fait de la magie? Oui. Mais je suis pas sûr de comprendre ce que tu veux savoir. Je les stun pas assez vite et les dégâts.
C'est le premier fight, je crois, où je wipe à part Léviathan qui one-shotait, mais bon, c'était juste une... Il y avait une attaque à passer. Là, c'est le premier fight, je crois, où quasiment je wipe vraiment. Vraiment costaud, hein. Leurs immobilisations sont un vrai problème. Voilà. Voilà. Il faut juste avec Iris, faut juste y aller en mode. Et voilà. Ah putain. Je peux te laisser faire. Je m'en occupe. Trop tard. Je dépasse mes limites. T'as perdu. Je me suis trop posé de questions, faut juste y aller comme un gros bœuf et ça passe mieux. Oh la vache! Ah oui, ils sont chauds, putain. T'as pas en dessus, la trouve mignon, tout plein par coup, ce qu'ajoute du kawaii sans lui sur la puissance. Non, là effectivement, elle tape pas avec son bâton, elle envoie de la magie effectivement depuis son bâton, son attaque automatique. Après, elle a des compétences et tout comme tous les autres, quoi, mais. De mon temps. Ça fait rend vieux qu'on dit comme ça. Encore une fois, oubliez pas, hein, c'est pas le... Oublie le jeu originel. C'est pas la même chose que le jeu originel. Attends, excusez-moi, j'ai eu un texto pour la maison, important. Bien sûr, aucun... Ah ouais, putain, ils sont chauds. Les acheteurs de la maison, là, ils viennent, ils font l'aller-retour depuis Paris jeudi. Bien sûr. Ok, ça a l'air que je vais devoir re tout ranger et tout. Ok. Mais bon, pour des gens qui vont faire 1600 bornes en une journée, je pense qu'on vient en train. On peut bien préparer ça. Bon, actuellement, de toute façon, là, ils sont... En gros, c'est avant de signer le compromis, parce que là, ils ont fait une offre. Et je pense qu'ils veulent revoir la maison en signer le compromis, ce qui me semble être parfaitement légitime. Je ferai la même. C'est la sortie, tu crois ? Je n'ai jamais autant haï quelqu'un. Ok. Mais ouais, avec les filles là, c'est deux bursteuses, donc faut pas faire durer le combat là. Je vais pas te laisser faire. Wow. Faut y aller. Attends, c'est les lance-missiles. Oh, ça, on va faire un carnage là. Saut sacré. Double ressort. Aéris, ça va les défenseurs de deux. On va faire juste des extra foot, ça devrait suffire, je pense. Voilà. Fois deux. Putain, ça consomme bien qu'une seule fois la magie, par contre. Foudre, extra foot, 11. Je crois bien que mal, là. Ouais, ça consomme. J'arrive. Désolé, j'ai besoin de souffler. Dans le vide. Ah oui, c'est elle est monstrueuse, hein, Iris, en termes de dégâts. Elle est vraiment très très forte. Hein. Pas de doute là-dessus, elle envoie du steak. Attends, hop, on m'a répondu. Donc à quelle heure 11h30 jeudi. Ouais, pas de soucis. Pas de problème. Est-ce qu'ils pourront passer en dessous? D'accord. Ah oui, ça a ouvert aussi le 2. Ok, je vois l'idée.
Ça a aussi ouvert le 2 pour qu'ils aillent le faire. Je veux le dire. Ah, donc le 3 c'était pas trop méchant au final. Ça va. Cloud ? Ça va ? Oui. On vient d'utiliser un levier. Je pense que les incubateurs avant sont sortis du mur. Ah, c'est notre tour, alors. J'ai pas rappelé en fait, comme c'était entre midi et deux. Bah, compliqué d'oublier, non, bûcheron, c'est juste que. Enfin, quand t'as joué à FF13, t'as pas pensé à FF7. On vous appelle. Après, je sais que c'est les mêmes personnages, mais c'est pas le même jeu, quoi. C'est juste pas le même jeu. C'est juste qu'il faut séparer deux choses, quoi. Voilà. Faut réussir à se mettre dans le crâne que c'est deux choses différentes. Même perso, le même monde, mais pas exactement la même histoire, ni même gameplay, et pas la même exactement la même histoire, pas le même gameplay, pas la même narration, pas le même level design, les mêmes persos certes, le même monde, on sait pas encore, les mêmes bases en tout cas, on verra après comment ça va évoluer, donc bon. Les différences sont notables, tu vois, tout de même. Hop. Après, je comprends, hein, mais c'est juste qu'en plus, je sais pas, c'est quand la dernière fois que t'as fait le 7, tu l'as refait récemment ou il y a longtemps, mais enfin, si il y a des années, ça se compte en décennies, bon, voilà quoi. Ça sent pas bon. Comme une expérience de l'autre jour. Ça remonte. Hop, attends, laisse tomber. Je vais appeler. Pas de numéro, hein, j'ai juste appelé, tu sais, j'ai juste. Hop. Alors. T'es en 6 fours ? Non, c'est pas 6 fours. C'est celui-là. Deux petites secondes, le chat, j'ai un petit rendez-vous téléphonique à prendre. Excusez-moi. Rendez-vous mardi matin. Comme ça, on enchaîne, en fait. Mardi matin, le... Bah, je l'amènerai. Pour le coup, c'est moi qui l'amènerai, là. Mardi matin, le contrôle technique. Et ensuite, à 10h, c'est le Bouchard. À 10h, et ensuite, le... Pas arrivé. L'autre truc. La vente de la voiture, en fait, à 14h. Il avait pas avant mardi, mais ça tombe pas trop mal en vrai. Attends, c'est ouvert de l'autre côté. Bon, on verra si on peut passer là, peut-être. Non, mais là c'est l'arnaque là. Début de l'expérience. Bah tiens. Évacuation immédiate du personnel. Alors, on va voir comment on s'en sort ici. Ah, ça va être plus simple. Ça va être un peu plus simple, je pense, avec les deux gros tarés là. Je compte sur toi. Je m'en charge. Ah, protection qui a évolué. On est à la moitié. Voilà. Boom. Ouais. Et Remède aussi, tiens, qui a évolué. Impeccable. Vous avez l'air de bien vous amuser. Bah oui, c'est rigolo. Toi, t'es le prochain sur notre liste. Ah, je l'avais pas vu au-dessus, Ojo. On se calme. C'est du verre renforcé, bien sûr. J'avais pas vu ce coup. Je note l'absence de symptômes immédiats suivant votre contact avec les spécimens. C'est fascinant. C'est vrai, comme le dit Célar, peut-être qu'en y jouant, tu vois, bûcheron, tu te rends compte des différences. Plus qu'en le regardant. Il faut qu'on continue. Je me rappelle qu'il y avait un coffre ici. Voilà, tout ça pour un bracelet mystique. Waouh. Juste ok, on peut pas aller là, hein, je suppose. Bon, cette semaine, c'est la semaine où on dit au revoir à la Micra. Après ça, on n'aura plus à bouger en entier. Faudra louer un véhicule, par contre, pour le rendez-vous avec les impôts. On en parlera.
On a juste un lacérateur, c'est tout. Ah non, les bons drones paralyseurs aussi. Ça c'est sympa ça. Allez, crève, enfoiré. Ouais. Réfléchissons. Je pense qu'on va mettre des barrières physiques sur Claude et sur Barrett. Et Claude, j'ai mis la foudre. Ce qui devrait être fort utile. Voilà. Un petit méga foudre. Allez, pourquoi pas. Oh, ouais. 2009. J'ai pas mieux là. On va en remettre un. J'ai plein de PM, etc. Oh oui. Je compte sur toi. Ouais, aucun problème. Je vais t'éclater. C'était beaucoup d'avance. Ouais, ça passe mieux. J'ai bien fait de lui mettre de la foudre à Claude, hein. Le bon film. Alors, c'est comment de voir tes jouets préférés se faire fracasser? C'est un spectacle dont je ne me lasse pas. Si je leur... Qu'est-ce qui est mis à la table, j'ai pas je vu. Je peux bien la reprendre, non? Putain, attendez. Ah oui, Natal, je sais pas si t'as entendu. Rendez-vous pour la maison de deuxième visite. Ils font l'aller-retour depuis Paris en train. Ceux qui achètent la maison. Il faudra qu'on prépare la baraque demain soir. Ils viennent à 11h30. Bon, après ils feront les aller-retour en train, je le ferai aussi hein, si on a acheté. Je trouve pas ça choquant pour vous. Jeudi matin. Ils ne comprennent rien. C'est moi qui irai le... Évacuez immédiatement l'agent de recherche. Début de l'expérience. Ah, j'ai géré le 13. Oh. Haha. Mais non. Ah, c'est un drone paralyseur, putain. Bon, je veux bien te donner un de mes jouets. Oh, qu'est-ce que c'est encore que ce truc? Oula. Elle en est plus que deux. Ah, ils vont jouer à Tato. Il va falloir qu'on joue à Tato, ce con. J'arrêterai tout. Ne te précipite pas. T'attendais que ça. Voilà. J'ai les sœurs de heal ou pas? Barrière physique. Go. Voilà quoi résister. Barrière physique aussi à nouveau. Sur Barrette. On va se healer un petit coup dans le doute, compétence chakra. Ça va. La barrière physique c'est vraiment trop bien. Alors on va leur caler un petit méga foot dans la gueule à ces bâtards. Bam. Voilà. Pas de soucis. Voilà. Ah, le bon call, le méga foudre hein. Ça plus la barrière physique, ça fait un beau combo hein. Oh oui. Oh, il est mort. Non. Ah. Je vais t'en mettre plein la vue.
Fume-le. Putain. Mais non. Je sais que tu vas assurer. Je vais tous les mettre en plein dans le mille. Saloperie, là. On arrive. On arrive, on arrive. On prend quelques popos. T'emballe pas. On n'est pas en giga forme, donc on arrive, mais... Ok. On verra comme ça.